Salut à vous les moches, j'espère que vous allez très bien, comme d'habitude, en ce jeudi matin. Aujourd'hui, une séance un peu particulière, puisque celle-ci va conclure notre séance en trois étapes qui portait sur le fait de se raconter pour se justifier, avec les textes de Jean-Jacques Rousseau qu'on a vu dans la première vidéo, puis le texte de George Sand qui venait contrer les propos de Rousseau dans la seconde vidéo, et pour cette troisième vidéo qui porte sur cette séance, cette fois-ci, c'est vous qui allez vous mettre en avant, qui allez nous raconter votre vie, votre propre histoire, à travers l'exercice d'écriture que je vous demande de faire et qui se trouve au dos de votre polycopier, dans la petite partie qui s'appelle, ça tombe bien, écriture, puisqu'il s'agit d'écriture. Je vous demande de me faire sur une feuille à part, présentée joliment, ou pas présentée et mochement écrite, vous qui voyez, ou simplement taper à l'ordinateur, ça me va très bien aussi en format numérique, puisque j'aimerais bien pouvoir y jeter un œil. Pas pour vous juger, comme ça, mais juste parce que je meurs de curiosité pour savoir quelles petites bêtises vous avez pu commettre dans votre vie. Car le sujet est celui-ci, je vous demande à la manière de Rousseau, donc selon notre premier texte, de raconter une bagatelle. Je rappelle qu'une bagatelle, c'est une petite chose sans importance, une petite bêtise qui n'est pas très grave, que vous auriez commise en insistant sur votre culpabilité pour dire, donc vous dites que vous vous en voulez vraiment beaucoup, donc il va falloir du vocabulaire pour varier un peu ça, mais en tentant toutefois de vous justifier, autrement dit, vous allez tenter de faire acte de contrition, c'est-à-dire vraiment montrer que vous vous sentez particulièrement coupable d'avoir mal agi, tout en tentant, tout comme Jean-Jacques Rousseau le fait, de justifier, de faire en sorte qu'on soit un peu contraint de vous pardonner, qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai, il ou elle a raison, elle avait un peu raison de faire ça, finalement, on ne peut pas lui en vouloir. » Je rappelle que ce sont les raisons pour lesquelles George Sand critique les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Autrement dit, essayez à la manière de Rousseau de faire cela. Par exemple, je pense aux élèves qui, eux, vont avoir des difficultés. Ceux qui se comportent toujours bien et qui n'ont jamais rien commis de mal dans leur vie. Je pense à Benjamin, à Paul, je pense à Simon, je pense à Toan, Anne, tout ça. Bon, vous, votre perfection vous oblige dans ce cas-là à inventer. Hein, vous faites comme si vous aviez fait quelque chose de mal. En revanche, les petits loubards, bon, je pense à Juliette, je pense à Lali, je pense à Florine. Bref, toute la clique, Manon, etc. Vous, qui, en revanche, n'avez fait que des bêtises dans votre vie, vous choisissez la moins grave. Hein? Ou celle que vous préférez, tiens, pourquoi pas, celle qui est la limite même la plus rigolote à raconter. Une fois que vous avez choisi votre sujet, ce que vous allez raconter, vrai ou pas, c'est à vous de décider, vous l'expliquez, vous revenez dessus, donc il va y avoir l'utilisation du présent d'énonciation, parce que vous allez commencer à porter un jugement sur ce que vous avez fait, tout comme Jean-Jacques Rousseau le fait dans son texte, et en même temps, le temps de l'imparfait et du passé simple, on dit le système du passé, puisque vous allez raconter votre histoire. Là, on est dans l'autobiographie, part d'autobiographie. 20-30 lignes, pas plus, et tout en racontant cela, donc je compte sur vous pour essayer de trouver les mots, pour petit à petit, pas uniquement à la fin du texte, hein, vous le faites vraiment au fur et à mesure que vous racontez l'histoire, tenter de faire en sorte qu'on se dise que bah, c'est vrai, vous justifiez un peu ce que vous avez, vous vous en voulez, mais c'était pas de votre faute. Comme la fois, par exemple, où Simon a terminé le pot de Nutella alors qu'il était 1h du matin et bon, il n'avait pas le droit de manger, mais qu'il est quand même descendu dans la nuit, qu'il a tout mangé, qu'il s'en est mis tout partout sur le visage et qu'il s'est fait choper le lendemain matin avec des grosses traces de chocolat sur la tronche. Il s'en veut parce qu'il sait que c'était de la gourmandise, qu'il ne fallait pas faire ça, c'était un manque de respect pour ses sœurs qui voulaient aussi finir le pot. Mais il nous l'a expliqué, c'est vrai qu'il s'en veut énormément, mais en même temps, c'était pour ne pas tomber dans les pommes, c'était pas vraiment de sa faute. C'est son petit ventre qui le tiraillait. Et il aurait fait un malaise s'il n'était pas descendu pour manger. Avait-il vraiment le choix? Je pense pas, hein. On peut pas lui en vouloir pour ça. Vous voyez ce que j'attends de vous? Ce type de pratique un peu bidon, mais qui fonctionne bien. Puéril, comme les qualifie George Sand, vous allez essayer de faire un peu la même chose. 20-30 lignes, vous faites de votre mieux. Si, vous avez du temps, hein, je ne demande que ça. Essayez de vous appliquer le plus possible sur le choix du vocabulaire, sur les tournures de phrases, la ponctuation. Format numérique, format écrit, vous me prenez une photo, vous le scannez, vous l'envoyez. Oubliez la poste, hein, on n'a aucune chance. Puis on voyageur, à la limite. Et je suis certain que tout va très bien se passer. Je compte sur vous, j'espère avoir de vos nouvelles et lire toutes vos bêtises. Sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse. Résistance.